Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3. Aujourd'hui avec Stéphane depuis Coulommiers-Chamiers pour un nouveau direct sur FJE, Famille, Justice, Enfance numéro 165 aujourd'hui. Oui, ça commence à faire un certain nombre. Et aujourd'hui, je reçois Thomas Auburtin. Nous allons parler constellation familiale, nous allons parler posture du masculin dans la famille quelque part. Nous allons parler de plein de choses. Thomas, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, ça va ? Oui, merci. Bon, ça fait quoi être en studio, comme ça, à la radio ? C'est ma première fois et c'est très chouette. Bon, vous allez voir, ça va être super bien. Dites-moi Thomas, on a reçu Sophie Doxa il y a 3 semaines, je crois. Vous travaillez avec Sophie Doxa ? Oui. C'est même elle qui vous a formé, si j'ai bien compris. C'est exact. Alors, je ne travaille pas vraiment avec elle, mais c'est elle qui m'a formé, oui, exactement. Bon. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, là, qui vous êtes, ce que vous faites, et puis après, quand on va se parler comme ça, pour que les gens sachent un peu d'où vient votre parole et ce que vous représentez, dites-moi. D'accord. Alors moi, je suis Thomas Auburtin, je suis animateur en constellation familiale, et j'organise des journées de constellation familiale, et je fais également des séances en individuel de constellation. D'accord, ça fait longtemps ? Oui, ça fait depuis mars 2022. D'accord, donc ça fait un an et demi. Un an et demi, exactement. Après, j'ai participé à beaucoup de constellations. Je me suis moi-même fait consteller. Oui. Par Sophie et par d'autres personnes avant sur Paris. Et je suis un papa d'un petit garçon de 6 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à la constellation ? Eh bien, c'est toujours les femmes qui nous amènent à la constellation. Ah, et c'est ma femme qui m'a parlé de ce sujet. C'est toujours elle qui décide tout, en fait. C'est incroyable. Hein, c'est un petit peu, ouais. Et en fait, elle connaissait la pratique et elle m'en a parlé. Et moi, j'ai eu besoin à un moment de travailler sur moi. Et j'ai utilisé cet outil et j'ai participé à cet outil. Et j'ai trouvé ça extraordinaire sur ce que ça amène, en fait. Sur les réponses que ça peut amener, sur l'évolution que ça peut générer chez nous. Et j'ai continué en me disant, est-ce que c'est vraiment... est-ce que je serais capable de le faire ? Et je sais pas, une vingtaine de constellations plus tard, j'ai décidé de me former. Et Sophie Doxa a créé cette formation. Et je fais partie de la première promo. D'accord. Et je suis très content de l'avoir fait. D'accord. Parce que maintenant, c'est un outil que j'adore utiliser et que je trouve très ancré dans le concret, malgré ce qu'on peut un peu dire. Alors, je vais dire que j'ai eu le privilège, avant l'émission, d'avoir une petite démonstration. Un fac-similé en fait, c'est pour comprendre parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace ici, puis c'est particulier et autres, mais maintenant je vais pouvoir dire de quoi il s'agit. En fait, la constellation familiale, c'est une opération de ressenti via le langage du corps. Exact. En utilisant un support qui va être, dans votre cas des pierres, dans votre cas autre chose, mais qui vous permettra soit... vous de ressentir certaines choses, ou alors via des postures, des espèces de jeux de rôle à plusieurs. Exactement. De regarder les interactions et autres. C'est pour ça qu'on retrouve chez ceux qui le font des formations parfois en PNL, en EMDR et autres, qui en fait de la lecture du langage corporel. Et ça permet, c'est une manière de rentrer quelque part dans l'intimité, dans le conscient et l'inconscient de la problématique, pour ensuite être bienveillant, à travailler. C'est bien ça ? Alors, c'est pas vraiment un jeu de rôle, puisque les gens ne y a pas de dés, comme on pourrait le voir sur des tables de jeu de rôle. Mais en fait, il y a deux outils. C'est surtout un outil, en fait, la constellation familiale. Mmh. C'est un outil thérapeutique qui peut s'adosser à d'autres pratiques, mais c'est surtout un outil. Il y a deux types de constellations. Il y a la constellation familiale individuelle et la constellation familiale de groupe. En fait, ça s'appuie sur les constellations systémiques,
C'est une méthode qui a été inventée par Bert Hellinger. Alors, je ne saurais pas me rappeler en quelle année exactement, mais c'est en 1980, je pense. Enfin, Puis ça a pris de l'amplitude. C'est pour ça que je voulais vous inviter, vous et vos collègues ici, parce qu'on en parle beaucoup, quand on entend parler de plus en plus. Exactement. Lui, il était pasteur, il est parti en Afrique, il est revenu d'Afrique avec cette méthode. Alors, il a vu les peuples autochtones d'Afrique gérer leurs problèmes comme ça, et il est arrivé en Suisse à l'époque, et puis en Allemagne ensuite. Et il a commencé à travailler sur cette méthode, il a arrêté d'être pasteur, et il a enseigné sa méthode au fur et à mesure. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Et quand on parle effectivement de constellations familiales à plusieurs... En groupe, oui. En groupe, c'est là qu'effectivement, quand je parle de jeu de rôle, moi, c'est par rapport à une personne qui joue un rôle. Il n'y a pas de notion d'aléatoire, de dés, de cartes. Exactement, mais c'est ça. C'est plutôt, tu vas adopter telle posture, tu vas représenter telle chose, et le fait d'adopter telle ou telle posture, de représenter, va permettre de générer un contexte qui fera sortir d'autres choses, et encore d'autres choses, et encore d'autres choses sur lesquelles on pourra discuter et travailler. Alors, c'est très étrange, mais... Pendant la constellation, le mieux, c'est de... Les plus belles constellations, celles qui sont le plus efficaces, il ne faut pas trop parler. Mmh. C'est beaucoup du placement dans l'espace. Pour les constellations familiales, je parle de groupe. Mmh. C'est le placement dans l'espace, c'est les interactions entre les gens, entre les personnes. Le constellé, la personne qui est constellée, n'intervient pas ou peu dans sa constelle, sauf en cas de résolution. Et... elle va voir jouer devant elle un espèce de le psychodrame de sa vie, et elle va pouvoir laisser le mental de côté et vraiment observer sa problématique se dérouler dans l'espace devant elle. Elle va faire venir déjà une personne pour la représenter, elle va faire venir son père, sa mère, en fonction de la problématique. Elle va faire venir aussi des archétypes, c'est-à-dire qu'elle va aller choisir quelqu'un dans l'assistance pour représenter un archétype. Mmh. L'amour, l'argent, la richesse, la femme idéale, l'homme idéal, voilà. Et comme j'ai pu le constater, ça peut aussi être un lieu, oui. Ça peut être aussi un élément abstrait. Tout à fait. Ça peut être une personne. Exactement. Oui, donc il y a plusieurs sortes de configurations, et on regarde les interactions entre ces différentes choses. Exactement. Et après, c'est un outil pour... Okay. Vous exercez en libéral ? Je suis en auto-entreprise, oui. Vous avez un cabinet sur Périgueux ? Non, pas encore. Pas encore ? Alors comment vous faites ? Eh bien, les joies de la technologie, j'ai envie de dire. Vous faites ça à distance, sur Internet ? Je fais ça à distance, effectivement. Je propose des rendez-vous en visio. Sophie m'a dit qu'elle ne voulait pas faire des constellations en visio. Alors non. C'est pour ça que c'est important. Les constellations se font toujours en présentiel. D'accord, c'est les entretiens avant et après. C'est les entretiens avant et après. Okay. Alors, oui. Si vous me permettez, je vais expliquer à vos auditeurs la méthode. Allez-y. Et comment, moi, je pratique. Parce qu'il y a autant de constellations que d'animateurs de constellations. Et puis chacun fait... Il y a des constellations de chamanisme, il y a des constellations avec des médiums. Moi, je ne fais pas du tout ça. J'essaie d'ancrer au maximum dans le réel cette constellation. On va faire un entretien d'une heure avec la personne qui souhaite faire une constellation, où on va discuter de sa problématique. Je vais l'aider aussi, si elle a besoin, à formuler sa problématique. Je vais établir son génosociogramme. C'est une sorte d'arbre généalogique avec les informations importantes, la profession des parents. Notez tous les éléments importants. Donc on revient sur la psychogénéalogie qu'on a évoquée dernièrement. Exactement. Ici, ouais. Exactement. La psychogénéalogie, ça utilise aussi les constellations. Vous voyez ? C'est un outil qu'on peut utiliser avec n'importe quelle pratique. D'accord. Alors, faut quand même être sérieux. Et une fois qu'on a fini ce rendez-vous, on se retrouve pour le jour de la constellation où la personne va arriver et va participer avec d'autres personnes, d'autres constellés, des participants, à sa constellation. Et une fois que cette constellation elle est terminée, cette journée de constellation est terminée, on ne laisse pas les gens partir dans la nature. On peut travailler des choses très très lourdes en constellation. Vraiment très lourdes.
Il est nécessaire de faire un entretien de débrief. Donc il y a un autre entretien d'une heure qui est planifié ensuite, où on va débriefer sur la constellation. C'est une séance d'intégration. On va débriefer sur la constellation, comment la personne elle a vécu sur la constellation, qu'est-ce qu'elle a retiré de cette constellation, et aussi, qu'est-ce qu'elle a retiré des constellations auxquelles elle a participé, puisque forcément, elle va participer aux constellations des autres personnes qui sont là. Elle voit aussi les problèmes des autres. Oui. Voilà. Bien sûr. Et en fait, être participant dans une constellation, il y a un travail qui se fait aussi. Parce qu'on va ressentir des émotions qu'on n'a peut-être pas l'habitude de ressentir, on va être dans des archétypes qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'occuper. J'aime beaucoup être l'homme idéal, par exemple. Ça, c'est quelque chose... Existe-t-il seulement, d'ailleurs? Alors là, il nous reste quoi, 20 minutes? On va voir, bon, ça va être court. Non, non. mais oui, on peut occuper l'amour aussi. C'est des sentiments qui sont très beaux, très, très, très chouettes à faire. Et du coup, on se... Comment dire? Ça nous fait travailler. Quand le participant il vient, la première chose qu'on lui dit, qu'on dit à tout le monde en fait, c'est en fait vous êtes ici pour travailler pour vous. Mm-hmm. Vous n'êtes pas au service de la constellation. Vous êtes là pour travailler pour vous, pour ressentir. Vous n'êtes pas là pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et ça fausserait la constellation. Et moi, mon rôle en tant qu'animateur, parce que moi je ne participe pas aux constellations, sauf de temps en temps je peux être amené à intervenir pour faire un rôle qui va donner un élan supplémentaire à la constellation. Mais on n'est pas là pour sauver la personne, on est là pour être le plus juste possible. Et moi, mon rôle en tant qu'animateur, c'est de dire non, excuse-moi là, mais je pense que t'es pas juste. Et surtout, on revalide toujours avec le client. On revalide toujours ce qui est dit avec le client. Est-ce que là, la situation, vous la voyez, est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que c'est juste ou pas? Alors, j'avoue que dans 90% des cas, la personne dit oui, c'est juste, oui, ça ressemble. Cette personne, elle parle comme ma mère, elle parle comme mon père. Et c'est... Alors moi, je fais quand même pas mal de constellations, et je reste toujours bluffé par ce moment, quoi. Bien sûr. Non, mais je peux dire, durant la démonstration, on est parti sur une question extrêmement simple, et puis la suite des ressentis et autres, on a cadré des choses qui étaient non dites et qu'on pouvait pas inventer, hein, Donc voilà. Donc constellation familiale, Thomas Auburtin. Oui. C'est tout de suite sur RLP. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Thomas Auburtin, dites-moi, qu'est-ce que ça fait d'être un homme dans un environnement si féminin, les thérapeutes, les accompagnateurs, les coachs de famille, tout ça. Vous êtes, comment dirais-je, pas le mouton noir, mais vous êtes une exception confirme la règle, quelque part. Alors, peut-être du fait que je sois un homme, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent à mes constellations. Ça, c'est bien. C'est bien. Quand on est le seul homme dans une constellation, enfin dans une journée de constellation, on va occuper des rôles qui ne sont pas drôles du tout. Ah. Vous allez prendre pour les autres, quoi. Alors moi, je dis pas « je vais prendre pour les autres », c'est que c'est important que ces rôles-là soient représentés dans les problématiques des gens qui sont constellés. On va occuper des rôles d'abuseurs, on va occuper des rôles vraiment pas clean, pas chouettes. Mais on va aussi occuper des rôles très beaux, des papas poules, des papas qui sont très intéressés par leurs enfants, des papas qui ont envie de s'occuper de leurs enfants, qui veulent améliorer les relations avec leurs enfants. Et alors, des papas qui veulent améliorer leurs relations avec leurs enfants, avec des enfants très jeunes, des adolescents, mais également quand on est papa d'enfants de 25 ans, 30 ans, qu'on fait leur vie, quoi. Voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec des papas qui voulaient améliorer les relations avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs conjoints. Alors ça, c'est intéressant en fait. Quels sont les grands thèmes des gens qui viennent vous voir? Qu'est-ce que vous avez observé? Quel genre de personnes? Qu'est-ce que vous attirez? Qu'est-ce que vous pratiquez? Qui est-ce qui vient voir Thomas Auburtin? Alors, il y a beaucoup de femmes. Oui. Ça, c'est sûr, puisque de toute façon, c'est plutôt les femmes. Vous voyez mon parcours, comme je vous l'ai expliqué au début de l'émission, comment mon parcours, comment j'étais arrivé au Constel. C'est souvent des femmes.
souvent des hommes, enfin moins des hommes, mais c'est des gens qui cherchent une place. La plupart, souvent, c'est des gens qui cherchent à avoir la juste place. Ils ne sont pas soit reconnus dans leur famille, soit reconnus dans le milieu professionnel. Et puis on part du milieu professionnel et puis on se retrouve dans la famille. D'accord. On se retrouve à questionner le rôle du père, le rôle de la mère, ce qu'ils ont amené dans la construction de la personne. On part parfois d'un mal-être professionnel. Exactement. Et on se retrouve à parler de la famille et de ses ancêtres. Exactement. D'accord. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problématique ? C'est quand même souvent ça. Des gens qui pensent porter des choses qui ne leur sont pas, qui ne leur appartiennent pas. Là, on va rentrer plutôt dans le thème du transgénérationnel. Les constellations familiales, elles sont là. C'est un outil qui est créé pour redonner une place aux gens qui ont été exclus du système. Mmh. Ça, c'est Bert Hellinger qui l'a écrit. Et on va redonner une place aux gens qui ont été exclus du système familial. Il faut voir. En fait, on va travailler sur le système familial. Le système familial, c'est toutes les personnes qui font partie de la famille, tous les descendants ou tous les ascendants. Et il peut y avoir une personne qui a été exclue parce que c'était le mouton noir de la famille, parce que elle a volé, à une époque où ça ne se faisait pas. Et ça descend dans les générations et ça impacte les descendants. On peut se rendre compte dans le transgénérationnel et dans les constellations familiales qu'en fait, il faut redonner sa place à cette personne pour que le système il s'équilibre, il soit que cette personne soit reconnue. En constellation familiale, on va traiter les IVG et les fausses couches, on va en parler. On va pas les mettre de côté. Ce qui est important dans l'ordre d'arrivée des enfants, c'est des êtres qui ont eu une place dans ce système, qui ont peut-être toujours une place d'ailleurs, parce qu'ils influencent. On peut parler de personnes qui sont nées après une IVG ou après une fausse couche et puis qui ne se sentent jamais à leur place parce qu'en fait, ils ont pris la place de cette personne ou que c'est de la personne, de la, pardon, excusez-moi, de l'enfant qui a été fait passer, on va dire. On va lever peut-être des secrets de famille, mais alors avec ça, le secret de famille, je reste très circonspect parce que quand même un truc, c'est qu'en constellation familiale, on va travailler que sur des hypothèses. À chaque fois, on va ramener dans le réel. On va dire, mais ça, est-ce que ça peut vous parler ? Et c'est pour ça que la séance d'intégration est très importante. Quand on fait une constellation et puis qu'on apprend qu'on a un frère caché, parce que la constellation montre qu'il y a un frère caché, faut quand même le prendre avec des pincettes, quoi. Puis c'est pas voilà. Donc c'est pour ça que la séance d'intégration est vraiment très importante. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans une société de recomposition, en fait, où les familles se recomposent via les mécanismes du divorce ou de la séparation, de la reconstruction, où on peut avoir des enfants de plusieurs mariages et autres, les familles sont très déstructurées. Ça doit se ressentir au niveau des constellations. Effectivement, ça peut se ressentir, mais pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de familles recomposées. D'accord. J'ai pas vu de leurs victimes, parce que par exemple, il y a des cas où il y a quelqu'un qui naît d'un premier mariage, et puis les parents divorcent, et puis ils refont leur famille de chaque côté. Et puis à une époque, ça aurait été l'aîné, par exemple. Ça aurait été l'héritier, celui qui portait tout. Et puis au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est celui qui arrive en dernier. Et socialement, il cherche sa place, lui, beaucoup. C'est un exemple. Hein, mais la composition familiale fait que... il y a peut-être plus de gens qui cherchent leur place aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Moi, ce que j'ai constaté en constellation familiale... Donc là, je vais parler de mon expérience. Je ne sais pas si sociologiquement, c'est valide ou quoi. Non, est-ce que la constellation est un... la constellation vient... Le besoin de constellation vient parce que, quelque part, il y a plus de demandes par rapport à l'environnement. Beaucoup plus de demandes d'accompagnement. Les gens sont beaucoup plus anxieux. Ils cherchent plus à comprendre maintenant. C'est possible aussi. Oui, d'accord. Et en fait, je pense qu'à une certaine époque, on restait avec son mari, même si ça se passait mal, même si on se faisait...
parce que la femme était pas, pouvait pas être aussi indépendante. Heureusement, il y a des lois qui ont été votées depuis sur tout un tas de sujets. Et donc, les mères vivaient des choses désagréables. Et les personnes qui viennent me voir, elles ont pas 25 ans. Elles ont un peu plus. D'accord. Et du coup, leurs parents sont étaient encore un peu dans ce schéma-là. Donc on est dans la génération X, génération Y, en fait. Ouais. Les années 70, 80. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc les enfants des boomers. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, ça peut se ressentir. Hein. Mon père a jamais aimé ma mère a jamais aimé mon père. Les boomers ont beaucoup divorcé. Les années 68, c'est eux, et c'est la génération qui a commencé la recomposition. Alors moi, je suis un boomer. Vous êtes de quelle année? 82. Non, vous êtes génération X. Ah, génération X. Bah voilà. Les boomers, c'est ceux d'après-guerre. C'est les années 50-60. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de divorces, beaucoup plus de... En fait... Ah, il y a une accélération. On est monté à des statistiques, effectivement. Il y a une accélération dans le temps. Mais en même temps, si une femme n'est pas bien avec un homme ou si un homme n'est pas bien avec une femme et qu'elle a les moyens de s'assumer ou il a les moyens de s'assumer... C'est pas juste de rester avec cette personne et de souffrir, en fait. Enfin, non, j'étais pas du tout sur le ce concept-là. En fait. J'étais sur le fait que peut-être que le besoin de constellation est un symptôme et que peut-être avant, c'était plus facile de voir quelle était la place dans la famille, dans l'organigramme et autres, et que le fait qu'il y ait beaucoup plus d'alliances, désalliances, séparations, ruptures, les parents qui appuient les enfants, les frères et sœurs qui se parlent plus, tout ça, fait qu'il y a peut-être plus de besoin d'intervention extérieure ou de compréhension intérieure pour voir ce qui se passe, peut-être. Ça, c'est sûr. D'accord. C'est sûr qu'il y a besoin de plus de compréhension. Okay. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, c'est sûr. C'est une demande, en fait. Si jamais il y a une solution qui provient, c'est parce que quelque part, elle répond à une question ou une attente. Ouais. C'est ça. D'accord. Il y a de plus en plus de gens qui souhaitent consteller. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, donc les constellations familiales avec Thomas Auburtin. Dites-moi, dans ces familles qui viennent vous voir et autres, on a parlé des grands thèmes, tout ça, on a regardé, mais on n'a pas non plus approfondi. Là, vous commencez à me dire, là, il y a beaucoup de pères qui viennent vous voir, vous m'avez dit. Alors, depuis que je fais des constellations familiales, il y a, je vais dire... deux pères qui sont venus me voir, trois pères qui sont venus me voir. Après, je peux pas trop rentrer dans le détail, Venus me voir. On donne pas leur nom ni rien, donc bon. Voilà. Mais ils se sont questionnés sur leur position de papa, ils se sont posés des questions et. Comme les constellations, c'est un outil qui permet de voir ce qui se passe, de voir en face de soi les différentes interactions, peut-être de mieux comprendre et de laisser un peu le mental de côté. Et c'est très important en constellation de laisser le mental de côté et juste d'observer, comme si on était à la télé, d'observer ce qui se passe et de comprendre qu'en fait, comprendre notre positionnement aussi, parce que du coup, c'est pas nous qui sommes... on n'a pas ce filtre de ces différents masques qui viennent sur le visage pour dire « il faut que je sois un papa bien, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça ». Je peux pas dire ça parce que je le pense pas. Bah, la personne qui va représenter va le penser. Elle va le dire. Alors, elle va le dire avec respect parce qu'on demande aux gens de respecter les familles et de dire, voilà, de pas les insulter, de pas s'insulter, de pas dire « mais c'est... » Voilà, je vais pas le faire en ligne, mais voilà. Et il y a beaucoup d'amour. Quoi qu'il arrive, il y a beaucoup d'amour. Oui, c'est un système, quelque part, qui sert à réveiller l'amour, plus la bienveillance. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est une question. Lorsque vous identifiez une problématique assez lourde, quels sont les outils que vous avez pour... comment vous faites? Par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a un drame, quelque part, la personne ne voulait pas en parler, mais vous êtes arrivé devant et vous identifiez une souffrance. Comment vous agissez? Alors... ce qui est très important, c'est qu'on va demander son avis au constellé. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est d'accord pour quoi? Parce que dans l'entretien, on a pu voir cette problématique. Il y a un positionnement pendant la constellé, le positionnement des gens que ne connaissent pas, mais nous, on arrive à l'identifier, on arrive à identifier des postures, et on dit, mais est-ce que... là, je le vois, on dialogue avec le constellé pendant la constellation. Écoute, là, je vois quelque chose... Là, la façon dont c'est posé, il s'est passé quelque chose. Est-ce que je peux parler de ce que
tu as vécu à ce moment-là. Est-ce que tu es d'accord ? La personne me dit non. Je dis ok. Mais ça va être difficile de passer autour. D'accord. La question, la personne me dit oui. Et là, je vais faire ça avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tact aussi. Parce que c'est des problématiques très très lourdes. Ouais. Et on ça peut être des problématiques très lourdes. Ouais. Ça peut être des problématiques très très lourdes. Et on va amener les choses, voilà, on va dire. Parce que les représentants, au bout d'un moment, ils tournent et puis ils se disent, mais il y a quelque chose là. Et puis eux, ils vont le sentir. Ils vont le sentir qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose là. Et on est obligé d'un petit peu... Si la personne n'est pas d'accord, on va pas en parler, mais on va essayer de... On va essayer de contourner la chose, mais les constellations, l'outil tel que je l'ai vu et tel que je l'ai pratiqué jusqu'à maintenant, donc je vous parle de mon expérience, petite expérience de constellateur, on peut pas passer à... C'est difficile de passer à côté. Justement, quand on a levé le loup, là, qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait ? Le fait de le dire, de le montrer suffit à soigner, à améliorer, ou y a, vous avez des outils en vous, comment vous faites ? Alors, c'est du secret professionnel, ça. Ah, limite. dites-nous. Non, en fait, le départ de la constellation familiale, c'est la question. Si on voit que la question, c'est pas en rapport avec la question, mais que c'est tellement prégnant, on va essayer d'aller le travailler. Mais sinon, non. Il y a en constellation, il y a ce qu'on appelle une résolution. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut faire dire des choses aux gens. Là, je prends la main sur la constellation et je dis, est-ce que tu peux dire à cette personne, je suis ta fille et tu es ma mère, et ce fardeau t'appartient. Soit je demande à la personne constellée de rentrer dans sa constellation et je lui dis, est-ce que tu veux te mettre à la place de ta représentante et est-ce que tu veux dire quelque chose à la personne ? Est-ce que tu peux lui dire, je commence la formulation, je suis ta fille et tu es ma mère, et vas-y, est-ce que tu peux lui dire telle chose ? Ou alors, ça vient tout seul, les gens le disent tout seul, les personnes le disent tout seul. Je veux dire, le fait en thérapie, par exemple, le fait de réussir à exprimer quelque chose, une problématique, c'est déjà commencer à la soigner. Exactement. C'est bien ça qu'on fait aussi en constellation ? C'est ça qu'on fait en constellation. Moi, je suis juste animateur de constellation. D'accord. Je suis pas, je fais pas d'accompagnement sur, je fais pas d'accompagnement pour ça. J'oriente vers. Non, vous avez dû forcément enlever un ou deux. Donc. Oui, voilà. C'est. Mais à ce moment-là, j'oriente la personne vers un thérapeute, un thérapeute qui pourra l'accompagner sur le long terme. Vous l'envoyez à Sophie, quoi. Je l'envoie à Sophie, exactement. Et voilà. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Vous avez eu des grands moments, des moments de bonheur en constellation ? Oui. Faut savoir que les constellations, même si on travaille des problématiques très 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 lourdes, à la fin, les gens ont souvent envie de se prendre dans les bras. Oui. On travaille en musique. Sophie m'a appris une méthode où je travaille en musique, et c'est très beau. Quand vous voyez des gens danser sur l'hymne à la joie, c'est très beau. Mmh. Voilà, c'est un homme et une femme qui dansent sur l'hymne à la joie avec des gens qui tournent autour d'eux dans une ronde. C'est très très beau, ça donne envie de pleurer. Donc le meilleur moment, en fait, c'est la fin de la constellation, lorsque chacun a réussi à exprimer ou alors à définir tout ce ressenti, tout ce qui sortait, puis qu'ils arrivent à un état de, quelque part, de paix, de bonheur, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Thomas Auburtin, comment on vous trouve ? On me trouve sur Facebook, Thomas Auburtin. Avec A-U-B-U-R-T-I-N, c'est bien exact. Ça ? Exact. Ou alors par mail, constellation, avec un S, thomas@gmail.com. Bon, un petit blog en préparation qui va venir peut-être ? Une page internet, peut-être un site internet, ouais, j'ai envie d'augmenter ma visibilité par rapport à ça. Oui, un truc très simple, une page de contact, et puis voilà, une adresse, ça. Et puis d'accord, très bien. Thomas, merci d'être venu. Je vous en prie. Et bah, écoutez, à bientôt, au revoir. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.
Enfance.